Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche, je pense qu'on est tous très agacés puis très déçus de la prestation de notre équipe. On va débriefer cette rencontre qui opposait Brentford à Manchester United, c'était un match qui comptait pour la 30e journée de Premier League, match nul un partout au G-Tech Community Stadium, Mason Mount avait pourtant ouvert le score à la 96e minute de jeu pour les Red Devils. Et la 99e, au bout du temps additionnel, Ayer égalise pour les locaux. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Tenag n'arrivent pas à enchaîner. Le classement de l'APL, comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Donc on est toujours 6e avec 48 points au compteur. 15 victoires, 3 matchs nuls et 11 défaites. On compte 8 points de retard sur Tottenham, 5e. Et on compte seulement 4 points d'avance sur West Ham, qui est 7e. Bon. On va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Brentford. Globalement, ça a été un match pourri, mais littéralement pourri de la part des hommes d'Eric Ten Hag. On était en dessous de tout, que ce soit dans le domaine physique, technique, tactique, on n'arrivait à rien. La défense, c'était une passoire. À chaque fois, Varane et Lindelof étaient obligés de faire des interventions en catastrophe. Nos latéraux, ils étaient totalement à la ramasse, Dalot ou Wan-Bissaka à gauche. Les deux, ils étaient à la ramasse. Dès que Brentford partait en contre-attaque, on était très très vite dépassés. Le milieu de terrain, j'en parle même pas. Maïnou encore, bon, c'est celui qui sort un petit peu du lot, mais McTominay. Oh là là, McTominay, mais sérieusement, c'est quoi ces pertes de balles, ces contrôles de merde, tout. Il ratait tout ce qu'il faisait. Les contrôles, les interventions. Il perdait tous ses duels. Il était en dessous de tout. Il aurait dû sortir à la mi-temps, Eric Ten Hag. Je comprends pas pourquoi il l'a laissé quasiment tout le long du match. Je comprends pas pourquoi il l'a pas sorti à mi-temps, il fait pas rentrer Eriksen ou alors tu fais rentrer Casemiro. Ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Le mec, il ratait tout ce qu'il faisait. À chaque fois, dès que McTominay perdait le ballon, ça partait en contre-attaque derrière. Brentford, ils avaient des occasions dangereuses. On leur donnait des occasions, Brentford. Et offensivement, sur nos attaquants, ils ont rien montré du tout. Rien du tout. Surtout nos ailiers, Rashford et Garnacho. Rashford, ça a été le pire, mais le pire. Le pire de tous les attaquants. Olun, il a été transparent, j'en parle même pas. Mais Rashford, ça a été le pire. Je sais même pas s'il a fait un sprint du match. J'ai même pas un souvenir s'il a fait un sprint dans le match. Il a été nonchalant. Dès qu'il avait le ballon, il mettait 15 ans à faire une passe. Il faisait 3, 4, 5, 6 touches de balle avant de donner son ballon. Non, Rashford, non, 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 non. Je suis désolé, mais il doit montrer autre chose. S'il est censé être l'un des leaders de cette équipe, il est censé être le leader offensif de cette équipe, mais il montre rien. Il ne montre absolument rien. Garnacho, pareil. Garnacho, sur son côté droit, il était fantomatique. Il faisait aucune différence sur son côté droit dès qu'il avait le ballon. Il y a eu trop de déchets techniques. La première période était vraiment pas bonne. Pas bonne du tout. Donc à la mi-temps... Il y a 0-0. Heureusement que Brentford n'était pas efficace devant les cages. Hein. Heureusement que Ivan Toney trouvait à plusieurs reprises les poteaux d'André Onana. Mais sinon, non, on était totalement à la ramasse. Donc à la mi-temps, 0-0. Deuxième période, tu subis une nouvelle fois. Tu continues de subir. Brentford qui continue d'attaquer. Heureusement pour nous, Brian Bomo qui était entré en cours de match trouve la transversale d'Onana. Il y a un but qui a été refusé pour un hors-jeu de 1 mm. Donc, ouais, on a eu très très chaud. Ten Hag qui fait des changements, il fait rentrer Maguire en défense à la place de Varane. Apparemment, ça pourrait être un pépin physique. Comme d'habitude, hein, Varane, de toute façon, depuis qu'il est arrivé à United, il joue quasiment 50% des matchs. Hein, c'est un coup sur deux, il est blessé. On a vu aussi le retour de Lisandro Martinez hein, qui était entré en cours de match à la place de Lindelof. Qui lui aussi est encore. Je crois qu'il a eu un claquage. Et puis après, on a vu entre en jeu d'Anthony, de Casemiro, de Mason Mount également. Ça a plutôt bien fonctionné. Je trouve que, mis à part Martinez, bon, après, je ne vais pas l'accabler. Hein, il n'a pas fait une bonne entrée en jeu, mais il revient blessure. Voilà, je ne vais pas l'accabler. Hein, c'est pas lui qui est... C'est le dernier joueur à qui je m'en prendrai. Mais sinon, voilà, globalement, les changements ont plutôt bien fonctionné. Casemiro, il apporte un peu plus de solidité au milieu de terrain. Mount aussi, il apporte un peu plus d'énergie. Et Anthony aussi à l'attaque. Mais ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'à la 96e, au bout du temps additionnel, United pensait avoir fait plus dur. Hein. On pensait avoir fait plus dur avec
le but de Mason Mount, hein, avec sur une récupération de balle d'Anthony côté droit. Le Brésilien qui trouve son compatriote Casemiro, qui effectue une petite passe pour Mason Mount, qui contrôle pied droit et enchaîne pied gauche. Magnifique but de la part de l'ancien joueur de Chelsea, qui inscrit au passage son premier but sous le maillot des Red Devils. Enfin, il a débloqué son compteur but avec les Mancuniens. Donc ça fait 1-0 pour United, on pensait avoir fait le plus dur. Mais c'était sans compter sur le but de Dyer à la 99e. Et Brentford qui arrache l'égalisation sur l'action. Ivantonet qui prend le dessus sur Martinez et Casemiro. Parvient à centrer sur l'action. Bah, les défenseurs, bah, ils sont tous devant leur ligne de but, hein, au lieu d'aller sur le porteur du ballon. Ayer qui pousse le ballon au fond des filets. Ça fait un partout. Donc beaucoup de frustration, beaucoup d'agacement. Mais voilà, c'est ça l'image de United cette saison. Surtout que quand je vois le calendrier, jeudi, on se déplace à Stamford Bridge pour une nouvelle journée de championnat, jeudi. Et puis après, on reçoit Liverpool. Donc on a deux gros matchs. Et ça m'étonnerait qu'on fasse deux victoires de suite. Hein. Ça m'étonnerait très fortement. S'il y a un sursaut d'orgueil, si tout le monde se bouge le cul, si tout le monde se tire les doigts du cul, là, peut-être, il y a moyen. Mais vu la mentalité des joueurs cette saison, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik ten Hag a mis en place pour ce match. L'11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur néerlandais qui a remis en place son fameux 4-2-3-1 avec André Onana dans les buts. La charnière centrale, c'était Victor Lindelof associé à Raphaël Varane. Les latéraux, on avait Diogo Dalot à droite, Aaron Wan-Bissaka à gauche, Scott McTominay et Kobbie Mainoo au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Alejandro Garnacho milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche et en pointe on retrouvait le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur Batav, comme je disais, on a vu les entrées en jeu de Harry Maguire à la place de Raphaël Varane sorti sur blessure, Lisandro Martinez à la place de Victor Lindelof, Mincha Martinez qui faisait son retour dans le groupe mancunien, Casemiro à la place de Kobbie Mainoo, Mason Mount à la place de Marcus Rashford et pour finir l'entrée en jeu du Brésilien Anthony à la place d'Alejandro Garnacho. Donc que dire sur cette compo, bah, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours on essaie de compenser tel joueur par tel joueur, enfin, c'est toujours du bricolage, toujours la même chose, hein. C'est comme ça depuis le début de saison, on est habitué malheureusement. On remplace un joueur blessé par un autre joueur qui revient de blessure. Enfin, c'est tout le temps la même chose. Mais après, voilà, comme je disais, il y a des choix que je ne comprends pas. Par exemple, pourquoi il n'a pas fait rentrer Eriksen du match. Pourtant, Eriksen, c'est un joueur on connaît les qualités d'Eriksen. Il a une bonne patte droite. Il peut faire il peut déclencher des bonnes passes. Hein. Il peut alterner jeu long et jeu court. Mais non, il préfère continuer à faire jouer Scott McTominay. Hein. Toujours la même chose, des choix incompréhensibles de la part de ten Hag. Je ne sais pas à quoi joue ten Hag, mais ça, à la fin de la saison, je pense que s'il continue comme ça, là, son départ va être de plus en plus comment dire, va être de plus en plus important, on va dire, dans le sens où le départ de United se rapproche de plus en plus, quoi, en tout cas. S'il continue à faire ça, je pense que fin de la saison, bah c'est terminé. Merci, au revoir, je pense. On va parler maintenant des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Brentford. Les Bays ont eu 47% de possession de balle, 14 corners, 22 tirs au total, dont 5 tirs cadrés. Un hors-jeu de signaler du côté de United, 53% de possession de balle, 4 corners, 9 tirs au total, dont 5 tirs cadrés. Deux hors-jeux de signaler, donc quand on regarde les stats en termes d'occasion, c'était clairement dominé par les joueurs de Brentford, hein. Comme je disais, il manquait clairement d'efficacité dans la finition. Du côté de United, alors oui, on avait la possession du ballon, était légèrement en notre faveur, mais c'est clairement insuffisant. On avait le ballon, mais on ne savait pas quoi faire. Il n'y avait pas beaucoup de circulation de balle, pas beaucoup de vitesse, de percussion. On avait le ballon, mais on manquait d'inspiration. Maintenant les tops et les flops de ce match, hein. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Donc pour moi, l'homme du match, ça a été André Onana, qui a fait de nombreux arrêts dans ce match, que ce soit face à Brian Bemo, que ce soit face à
Ivan Toney ou Johan Wissa, il a été décisif sur sa ligne. Les relances aux pièces étaient propres. Très bon match du gardien camerounais qui confirme sa bonne deuxième partie de saison, hein, qui est sur une bonne dynamique. C'est bien, il faut continuer comme ça. Donc Onana, je le mets dans les tops et c'est pour moi, comme je disais, l'homme du match. J'ai mis Raphaël Varane et Victor Lindelof dans les tops, hein. Même si par moment ils faisaient des erreurs de placement, l'un comme l'autre, hein. Par moment ils faisaient des petites erreurs de déplacement, de positionnement. Mais globalement, ils ont été plutôt bons, ils ont été plutôt solides, hein, individuellement. Lindelof qui a fait de bonnes interventions, Raphaël Varane qui a essayé d'apporter du calme, de la sérénité. Donc pour moi, les deux défenseurs centraux, je les mets dans les tops. Ensuite, en top, j'ai mis également Kobbie Mainoo, même s'il n'a pas fait un gros match, mais je trouvais que c'est celui qui sort un petit peu du lot au milieu de terrain avec Bruno Fernandes. C'est les deux qui ont essayé de faire quelque chose, hein, mais voilà, ils s'étaient pas aidés, hein, autour, hein. Les deux ont essayé d'apporter du mouvement. Ils ont, à chaque fois, dès qu'ils étaient pressés, bon, ils arrivaient plus ou moins à sortir du pressing des joueurs de Brentford, mais voilà, bon, ils ont fait un bon match, mais sans plus, hein, Fernandes et Mainoo. Mais sinon, le reste, bah, le reste, c'est du flop, hein. Le pire pour moi, ça a été Marcus Rashford. Pour moi, il a vraiment été mauvais, comme je disais. Je me souviens pas qu'il ait fait un sprint du match. Il n'a pas fait un sprint, pas de vitesse, pas de percussion, rien. Il mettait plusieurs secondes avant de faire une passe. Non, c'est manqué de réactivité. Enfin, Rashford, je ne sais pas ce qu'il a, mais faut lui mettre un pour moi au mercato. Si la saison prochaine il est encore à United, faut qu'on recrute un ailier qui va le gêner dans les pattes, tu vois. Enfin, faut lui mettre un ailier dans les pattes, comme on a fait avec Derea, avec Dean Henderson il y a quelques années, comme ça a été avec Luke Shaw avec Alex Telles, Casemiro avec McTominay, Martinez avec Maguire. Enfin bref, il faut lui apporter de la concurrence, parce qu'actuellement, Rashford, il est dans une zone de confort. Il est dans une zone de confort, il n'est pas inquiété, donc forcément, il se dit, je suis un match de merde, mais je m'en fous, je suis quand même titulaire. C'est ce qu'il dit, hein. Pour moi, c'est dans sa tête, c'est comme ça. Peu importe ma prestation, je serai titulaire au prochain match. Il est titulaire, de toute façon, par défaut, cette saison, Marcus Rashford, vu qu'il n'y a pas de concurrence. Donc c'est pour ça, Rashford, je le mets dans les flops, et il a été vraiment mauvais. Mauvais. Tout comme Garnacho aussi. Garnacho, j'ai mis dans les flops. Il n'a pas été bon, pas de vitesse, de percussion. Manqué de technique. Hein. C'était assez brouillon. Et puis Olyun, pareil, hein, qui a été quasiment transparent tout le long du match. Il n'a pas pesé sur la défense de Brentford. Aucune différence. Hein, voilà. Je vois pas d'autres flops. Si les latéraux et puis McTominay aussi, hein, ça a été aussi un gros flop, McTominay au milieu de terrain. Mais sinon, je vois pas d'autres gros flops, on va dire, entre guillemets. Et voilà, les remplaçants, bah, comme je disais, bon, les remplaçants, ils ont fait quand même une entrée en jeu assez correcte. Maguire qui a pas été mauvais. Casemiro qui a fait une entrée en jeu assez correcte. Mount qui a été décisif. Hein, pour moi, c'est le deuxième, on va dire, meilleur mancunien sur la pelouse. Après, Onana, c'était Mason Mount. Anthony qui n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu non plus. Hein, donc, ouais, bon, globalement, c'est encore une fois une prestation décevante des mancuniens. Mais nous, supporters, on est habitués depuis plusieurs années. Même, c'est pas que cette saison, ça fait depuis plusieurs années qu'on enchaîne les déceptions. Je pense avoir fait le tour pour ce Brentford-Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, tu connais la chanson. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!